Amis viewers, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de nos aventures sur Mountain Blade avec le mode l'aigle, l'oisillon, le choupignou. Alors, il y a eu un petit problème à l'enregistrement de l'épisode d'avant, donc il faisait 25 minutes et en fait j'ai eu que les 18 premières minutes, donc désolé pour ce petit fail. J'avais rien fait de particulier, je m'étais tapé deux patrouilles, j'ai fait un combat de... Comment ça s'appelle? D'arène. J'ai gagné 50 balles. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc, par contre, je me suis renseigné. Alors, en fait, on va gagner une promotion tous les 50 points de renommée. Tout simplement. Donc là, j'ai 70 points. Arrivé à 100, je pourrais passer. Je sais plus quoi. Enfin, un grade au-dessus. Donc plus de troupes, plus de thunes, plus de machin. Après, j'ai la solution de payer mon grade de lieutenant. Donc le grade de lieutenant, c'est. Je crois que c'est 150 de renommée, peut-être 200. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, plus haut, mais bon, il faut 13 750 balles, je ne les ai pas. Donc il va falloir qu'on farme la renommée, et pour ce faire, bah, faut se battre. Voilà, faut se battre contre une armée de 550 hommes, ouais, on va éviter. francs, mais t'es fou quoi. Des saucisses ça vaut 45 francs, mais tout pas bien. 43 francs pour un poulet rôti, mais attends. Eh oh, tu m'as pris pour un parisien quoi. Il est pas bien dans sa tête lui. Bon, comment gagner de la renommée facilement? Ça, honnêtement, j'en sais rien. Attends, faut que je sauvegarde, parce que si je fais des conneries, ça va pas le faire. Je peux pas me barrer. Faut que je me barre. Non, mais faut que je me barre. Il y a une armée près de Rome. Alors. Votre. Oh, attends. Ok. Donc mes relations avec tous les ennemis baissent. C'est logique. Par contre, j'ai pas eu l'impression de perdre de l'honneur. Donc. T'es un peu con, Croc, quand même. Moi, je pille un village alors que j'ai plus de place dans mon stock. Non, par contre, on va prendre des saucisses, on va prendre du poulet. Voilà, tout ça, il faut prendre. Ça vaut vachement cher, en fait. Du miel, fromage. Voilà, là, on a plein du manger, on est content. Alors, hop, stop, 2 secondes. Bon écoute, j'ai pas, manifestement, il n'y a pas de question d'honneur dans ce mode. J'ai pas gagné de renommée par contre. Oh la vache. Ah ouais, mais non. Ils sont en train d'assiéger Rome, les cons. Je vais essayer de faire le tour et puis d'aller protéger Rome. Attends, il y a 1000 hommes en face? Non, bah attends, attends, on peut pas faire ça. Il y a 1000 hommes. Ah moi je veux bien aider la nation, hein, y a pas de souci, mais je sais pas comment ça peut se passer un siège avec ce mode. Bon, par contre, si j'arrive à gagner une bataille pareille, oh là là là. Alors, vous avez 735 soldats contre 1119. J'espère que je vais être caché derrière les murailles, quand même. Oui, caché, comme une petite merde, oui. Non, on n'est pas derrière les murailles, vous êtes sérieux?
Donc j'ai baissé un peu Battle Sizer, on était à 500. Je suis passé à... Merde, 400 ou 300? Je suis passé à 400. Mais là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas 400. Bizarre. C'est pas que je la sens pas là, hein, c'est que... ça pue quoi. C'est impossible, ici. Oh là là. Allez, arrête de paniquer, on va y arriver. J'ai même pas un fusil. Hein. J'aurais peut-être me mettre derrière eux, non? C'est les officiers, ça, non? C'est pas possible. Ah, je vais me faire démonter. J'aurais dû utiliser leurs armes de mêlée. Mon armée est en train de se faire dépouiller. Tous mes hommes sont morts. Allez, 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 allez. Il y a tellement de fumée, on voit pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a des renforts qui arrivent. Il n'y a pas de renfort apparemment. Ou alors ils sont déjà là. Oh, oh ça pue du cul. J'ai même pas le temps de regarder le... Il y a des renforts ennemis qui arrivent. Ça ramasse. Je peux pas ramasser les balles. Ah, il y a des renforts. Je crois que mon état-major est pas avec moi en fait. Ah si, il est là. Des comptages des morts, on est bien en avance, mais est-ce que ça va durer? On a tenu plus longtemps que je pensais, par contre. Je pensais qu'on allait se faire rouler dessus. Alors, au début, je pensais que j'étais derrière les murailles de la ville, donc je m'attendais à les défoncer easy. Arrivé là, il n'y a pas de muraille. Il y a des espèces de sacs de sable à la con, je vois pas à quoi ça sert. Franchement, aucun intérêt. Les canons là, ils sont pas utilisés. Ils sont là pour faire beau, super.
J'ai plus que 12 troupes vivantes. Pourquoi tout le monde recule? Est-ce que je contrôle toute l'armée? Ah mais je savais pas moi. Ah ouais. Ah non mais j'étais pas au courant de cette connerie. Bah attends, ça change tout. Tu m'étonnes que c'était la merde. C'est pas normal que je commande tout le monde. Ou alors faut prévenir, je sais pas. Depuis tout à l'heure, j'ai dit à mes fantassins à moi, enfin mes archers comme ils disent, je leur ai dit de se mettre au corps à corps. Tout simplement parce que je les avais mis devant entre les sacs de sable. Et cet abruti-là, il a dit à tous les archers de la carte, de mon côté, de se mettre en corps à corps. Ouais, tu m'étonnes qu'on en chie depuis tout à l'heure. Ah bah ça va aller mieux, hein. Je dis pas que je vais gagner la bataille, mais ça va aller mieux. Et ta mère. Merci. Oh, il y a encore des renforts qui arrivent. Oh là là. Ok. Allez, on recharge, on attend que les renforts arrivent. Vous excitez pas à recharger, vous allez où là? Wow! Pourquoi ils avancent? Mais oui, je suis planqué, hein, oh, ouais. J'ai 29 blessés, j'ai 27 morts dans mon armée, j'avais quoi, 60 troupes. Mon armée a été ruinée quoi. Mais si je gagne, c'est sûr que je me fais... Oh, j'ai pas regardé, c'est écrit au début de la partie normalement. J'ai pas regardé combien j'allais me faire de renommée, mais ça va être grand. Hein. Franchement, ça va être grand. Putain. Je les ai mis en mode baïonnette. Putain, il a bougé au dernier moment. Pinouf. Ok, on a du renfort. Un petit coup de feu à volonté. Putain, le siège de Rome, toi. 378 morts dans le camp adverse pour l'instant.
ça charge, là ça charge. C'est un mouroir ce truc, sans déconner. J'ai touché ? Ah oui, j'ai touché, trop fort. Vas-y, réfléchis. Hop, hop, et hop, hop. Allez, on charge. Charge à la baïonnette. Ah, s'il se retourne sur moi, je suis mort. J'en profite pour monter mon skill de pistolet, c'est cool. je fais le gars qui maîtrise, tu sais. Je maîtrise rien du tout, je suis en train de me chier dessus. Ça va, ça avance bien. On est à 480 pertes en face et 200 de chez nous. 500 contre 200, on est bien. Restez là, les foufous, là. Allez, on tire les sabres, on charge. Mais quand je dis on charge, c'est vous chargez. Hein. Moi, je... c'est bon, j'ai fini. Il me reste 4 points de vie et demi, oh, ça va bien. Renfort ou pas? Putain, il y a encore des renforts, bordel! Je recule tout le monde un petit peu. Et on y retourne. C'est bon? C'est bon, c'est calmé. Putain, c'est chiant, franchement on voit plus rien quoi. Mais non, mais mon sabre. Lui il fait le kéké là, je vais te le calmer direct.
Allez, la garde napoléonienne, on charge! Je sais pas du tout s'il va encore... Ah, moi j'ai des renforts. Lui, ça va peut-être suffire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là je me fous moi-même dans le goulet des étranglements, c'est pas le but. Hein. C'est pas à moi de subir le décor. Dans mes ordres, il n'y a pas eu de renfort. Bon, ça a l'air d'être la dernière vague de renfort ennemi. Merde, j'ai... Il n'y a pas moyen de recharger, fait chier. Ok, bah écoute, on n'a plus qu'à les laisser terminer gentiment ce petit assaut. Et on aura gagné la première manche. Donc il va rester 500 troupes aux adversaires et 500 à moi, je crois. Parce que là, 268 pertes. Ouais, ça va être du 5 contre 5, je pense. 500 contre 500. Du 1 pour 1. Bon, par contre, moi, la moitié de mon armée est morte. 31 morts, 32 blessés. Et ça, ça fait vraiment chier, quoi. Putain. J'ai gagné un point de renom. Vous êtes sérieux? Je peux pas me faire ça, un point de renom, c'est ridicule. Non mais sans déconner. Non mais t'es un... Non mais... Un point de renom. Putain. Oh, je suis dégoûté. Y a pas un bug d'affichage et que j'aurais gagné plus et qu'il me le dit pas, non? Ah non, 71. L'enfoiré. Ok. Bon bah écoute, on a réussi à protéger Rome, c'est déjà cool. Bah écoute, ami viewer, je vais te laisser là pour cet épisode. Un épisode, ma foi, plutôt bourrin. Hein, un siège de 25 minutes quasiment. Des gros bisous!